Nous considérons que ça ne peut pas passer par Bachar el-Assad. D'autres pensent que c'est le représentant qui peut permettre d'engager ce dialogue. Si nous continuons sur ces positions-là, nous ne parviendrons à aucune convergence. Nous devons imaginer un dialogue politique qui fasse que l'opposition puisse discuter avec une partie qui puisse être acceptable. Voilà où nous en sommes. Cherchons le dialogue politique. Évitons de nous figer sur des positions, mais il n'y a pas de temps à perdre. Malgré certaines divergences, nous sommes tous pour la préservation de la Syrie en tant qu'État uni, et je pense que nous avons beaucoup de points de convergence par rapport à l'analyse de la situation. On ne doit pas admettre que la tragédie syrienne puisse être utilisée au profit de terroristes internationaux. Ce problème est loin d'être simple, et je pense que sans une bouteille de vin et une bouteille de vodka, on n'arrivera pas à trouver une position commune. Mais je crois que lors de la discussion, le président de la République a formulé des propositions qui pourraient être entendues par les partenaires. On pourrait essayer de les mener à bien.